Merci d'être les premières personnes connectées sur mon direct. Mes gobelets de papier sont pleins de feuilles où je dessinais ton doux visage. J'écrivais ton nom sans cesse sur des paquets de cigarettes. Coucou.
Merci, merci, merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours, toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bayoum. Faites monter le mercure, faites monter. Coucou à Hervé Kofi, coucou à Joël Franck, Papis Diamandé, coucou à toi. Salimata Konate, coucou. Mustapha Kourouma, coucou, coucou, coucou à tous. On va zailler un peu, ça sera un direct chap-chap. Nous sommes à près de 3000 personnes connectées déjà. Partagez, partagez massivement le direct. Faites monter le mercure parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations puissent véhiculer sans crainte et sans peur. Je vais te bailler aujourd'hui, j'ai une alerte à donner à tous les comzones. Alassane Dramane Ouattara, je vous l'ai dit, il est en train de péter les plombs. Il est dans une incertitude. Il a nommé, son second poulain de Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas, nous ne sommes pas étonnés, nous le savons très bien. J'ai eu à faire des directs là-dessus en disant, voilà ce qu'il est en train de préparer. Voilà, il veut nommer Ahmed Bakayoko étant premier ministre. Mais il y a plein de petits bobos au sein même du parti dont il veut se rassurer. La raison pour laquelle quand j'ai eu à faire le direct la dernière fois, j'ai eu même à énumérer le fait que Ahmed Bakayoko a eu à lire ce discours au niveau du Nord là-bas en disant que oui, il supporte Alassane, tout et tout, était une manière pour lui, était une manière aussi pour Alassane de se rassurer que Ahmed Bakayoko, d'une part ou d'une autre, est en train de lui prêter allégeance et se rassurer qu'Ahmed Bakayoko est OK au cas où il sort, pour vouloir nous dire que oui, il veut être, il veut déposer sa candidature. Donc, je ne suis pas étonnée, c'est la logique des choses. Mais aujourd'hui, l'alerte est posée sur les comzones. Bipez, partagez massivement ce direct. Nous sommes à 3500 personnes connectées. Faites monter le mercure. Aujourd'hui, l'alerte est basée sur les comzones parce que Alassane Dramane Ouattara a aujourd'hui invité les comzones à une réunion secrète, chez lui, à la maison, pour pouvoir discuter des problèmes du pays. Et en ce moment même, il a eu même à dire aux comzones, à ses entourages qu'il veut se rassurer que ces comzones sont là, qui sont prêts pour lui. Vous le savez très bien, famille ivoirienne, que, officieusement, Alassane Dramane Ouattara est le candidat à venir. Officieusement, nous le savons tous qu'il a déposé sa candidature. Mais comme il sait très bien qu'il ne peut en aucun cas se présenter pour un troisième mandat, comme Alassane Dramane Ouattara sait que ce troisième mandat va emmener quelque part une révolte au niveau du pays, comme Alassane Dramane Ouattara sait qu'il a besoin du support des comzones, parce que ce sont ces mêmes personnes dans le passé, c'est regrettable de le dire, qui ont eu quand même à participer aussi à sa venue et à l'accession, à ce pouvoir. Il veut se rassurer quelque part que ces comzones et ces gradés du pays sont prêts à pouvoir le sécuriser, sont prêts à pouvoir le maintenir, sont prêts à pouvoir prêter une allégeance à lui, à Alassane Dramane Ouattara, au cas où ils sont officieusement à pouvoir déclarer sa candidature. Donc, vous voyez qu'il y a deux aspects. Officieusement, il est candidat du RHDP, mais il ne peut en aucun cas sortir en ce moment et à cet instant T pour nous dire qu'il est le candidat du RHDP. Donc, il veut se rassurer avec les comzones, il veut avoir le support des comzones et des gradés, il veut avoir leur OK, il veut se rassurer que ces personnes vont quelque part le protéger parce que Alassane Dramane Ouattara sait très bien qu'il n'a le droit et il n'a pas le droit et la constitution ne lui permet pas de pouvoir se présenter. Donc il se prépare à faire un hold-up électoral, si je peux l'appeler ainsi. Donc maintenant, à cet instant T, Alassane Dramane Ouattara veut entendre ses comzones. Moi, le conseil, est-ce que j'ai à dire à ses comzones est que aujourd'hui, nous parlons de la vie
des Ivoiriens. Nous parlons du bien-être de notre patrie. Nous avons eu à poser des actes dans le passé et cette rébellion aujourd'hui, je le crie et je le dis personnellement, nous ne sommes en aucun cas fiers de ça. Nous ne sommes pas fiers de ça. Si Alassane Dramon Ouattara est sûr et certain de sa politique, je pense qu'il ne doit en aucun cas introduire ses comzones dedans. Et ses comzones aujourd'hui, vous devez vous dire que le pays est pour tous les Ivoiriens. Le pays appartient aux Ivoiriens. Nous n'allons pas permettre qu'un aventurier, un Burkinabé venant de Sindou, on lui a donné la chance et l'opportunité de diriger notre pays pour deux mandats. Et maintenant, nous arrivons à une situation où Alassane Dramon Ouattara veut par gré ou par force se maintenir à ce pouvoir. Vous, les Comzones, vous avez vos familles, vous avez vos enfants, vous avez vos amis, vous devez penser et réfléchir au bien-être de notre pays. Vous ne devez en aucun cas mettre la stabilité de notre pays à jeu pour un homme politique. Et je me répète, vous ne devez en aucun cas mettre la vie et la stabilité des Ivoiriens en jeu pour Alassane Dramon Ouattara. Aucun Ivoirien ne veut de Alassane Dramon Ouattara. Aucun Ivoirien n'est prêt à accepter cette marginalisation de notre pays. Nous voulons un changement, nous voulons quelque chose de concret, nous voulons quelque chose de cohérent et nous les Ivoiriens aujourd'hui, nous le crions haut et fort que nous en avons ras-le-bol de Alassane Dramon Ouattara. Nous sommes fatigués que notre constitution est bafouée, nous sommes fatigués que notre constitution n'est pas respectée, nous sommes fatigués de voir des opposants traqué sur le plan national et aussi sur le plan international. Nous disons haut et fort, nous en avons ras-le-bol et nous ne voulons plus de Alassane Dramon Ouattara. Donc pour moi, c'est net et clair. La constitution n'est pas respectée. La liste électorale aujourd'hui, à cet instant T, est complètement à leur guise. Voilà. Ils ont enrôlé des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Nous n'allons pas continuer dans cette lancée. Donc, Alassane Dramon Ouattara, lui-même, il sait très bien que le comportement qu'il est en train d'avoir en ce moment et à cet instant va emmener les Ivoiriens à sortir dans les rues parce que, je le dis haut et fort, si vous voyez qu'en ce moment, Alassane Dramon Ouattara n'a pas eu le courage le mercredi passé pendant leur, comment on appelle, leur méga meeting qu'ils ont eu au niveau de Sofitel, à sortir, pardon, et dire et donner son avis sur cette histoire des candidatures, c'est parce qu'il n'avait pas encore parlé avec les Comzones. C'est parce qu'il ne s'était pas encore rassuré que les Comzones vont le soutenir. Nous n'allons pas encore créer une rébellion dans notre pays, Alassane Dramon Ouattara. Nous n'allons pas permettre que le sang des Ivoiriens verse et coule encore dans notre pays. Nous n'allons pas permettre que notre pays soit à la guise de quelqu'un qui n'apporte rien, qui n'emmène rien, mais qui veut forcément se maintenir. Nous ne sommes pas prêts pour cela. Donc, vous les Comzones, je le dis haut et fort, ne vous mêlez pas, voilà, des problèmes qui, pour moi, qui vont emmener notre pays à aller dans cette rébellion encore. Je vous incite à ne pas vous gérer dans les futilités et dans la bêtise que Alassane Dramon Ouattara est en train de insister. Je vous emmène à faire attention à vous-même. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a certains Comzones d'entre vous qui vont montrer à Alassane Dramon Ouattara que indirectement ils ne sont pas OK avec. Je vous demande de faire très attention. Kone Zakaria, lui, je sais, on le sait tous que il est du côté de Alassane Dramon Ouattara. Mais vous, les autres Comzones, que ce soit les Fofiers, les Chérifoussements, tous les autres Comzones et les gradés, vous qui avez reçu le message d'une réunion chez Alassane Dramon Ouattara demain, je vous le dis haut et fort, faites beaucoup attention. Alassane Dramon Ouattara a une salle d'attente chez lui à la maison. Je vous incite à ne pas rentrer dans cette salle d'attente.
je sais de quoi je parle. Et les personnes autour de Alassane Dramane Ouattara savent de quoi je parle. Et même ces comzones qui vont me regarder ou qui me regardent en ce moment savent exactement de quoi je parle. Je le dis et je le répète. Alassane Dramane Ouattara a une deuxième salle d'attente chez lui. Je vous incite à ne pas avoir accès à cette salle d'attente. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Mais moi, la guêpe, j'ai l'information là-dessus. Je ne fais que vous dire ce qui se passe en ce moment et à cet instant T pour ne pas que vous soyez surpris, voilà, des résultats de votre, comme on le dit, si vous vous entêtez, vous ne soyez pas étonné des conséquences, voilà, de vos actes. Et je vous emmène à ne pas vous ingérer dans cette histoire de supporter Alassane Dramane Ouattara dans sa bêtise. Je vous emmène et je vous exhorte à rester hors, et je le répète, de cette racaille que Alassane Dramane Ouattara est en train de plonger notre pays en ce moment dans cette instabilité. J'ai aussi un message pour mon président, Henri Konan Bédier. Je l'incite et j'incite les personnes autour de Henri Konan Bédier de faire beaucoup attention. Parce que j'ai reçu un message parlant de la vie de M. Henri Konan Bédier en ce moment et à cet instant T qui est à risque par ce gouvernement moribond qui sont prêts par toutes les voies et moyens à vouloir anéantir tous les opposants pour pouvoir se caler et se maintenir. J'incite tous les frères du PDCI, toutes les personnes autour de notre président, Henri Konan Bédier, à une vigilance d'une extrême pas possible parce que la vie de M. Henri Konan Bédier, c'est moi la guêpe, je vous dis, la vie de M. Henri Konan Bédier en ce moment et à cet instant T est en danger dans notre pays. Vigilance à vous. Ça pourra être un empoisonnement, ça pourra être un enlèvement, mais je vous dis que la vie du président Henri Konan Bédier en ce moment et à cet instant T est à risque. Vous êtes libre d'écouter mon alerte, vous êtes libre de prendre au sérieux ce que je suis en train de vous dire, ça n'engage que vous, mais j'ai fait ma part, j'ai donné l'information, j'ai relayé l'information comme il se doit, et c'est à vous de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention en ce moment concernant Henri Konan Bédier, parce que sa vie est vraiment en danger dans ces jours, comme on le dit, dans ces mois à venir. Et les comzones, je vais revenir encore sur vous. Je vous demande de penser au bien-être de notre pays. Je vous demande de penser au sang des Ivoiriens qui ont été versés. Je vous demande de penser à ce que la Côte d'Ivoire a eu à traverser. Parce que notre histoire, elle est récente. Notre histoire ne fait que 10 ans. Notre histoire est encore fraîche. Je vous exhorte à faire le discernement. Je vous exhorte à penser à l'avenir d'une part et d'une autre, à la stabilité des Ivoiriens. Vous savez ce que vous faites. Vous savez qu'il y a un Dieu pour tous. Vous savez très bien que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien, je suis désolée de le dire, et je mets quiconque au défi de ça. Vous le savez très bien que ce monsieur n'est pas là pour que notre pays puisse avancer dans une réconciliation, dans l'amour, dans la prospérité, vraiment dans une entente vraiment entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Je vous en prie et je vous exhorte à pouvoir faire le bon sens. Je vous en prie et je vous exhorte à pouvoir faire le discernement. Je vous en prie et je vous exhorte à penser à toutes les personnes mortes. Je vous en prie et je vous exhorte à penser au peuple ivoirien quand vous prenez vos décisions. Alassane Dramane Ouattara ne doit en aucun cas être la personne que vous allez supporter à mettre notre pays dans une instabilité totale, à nous faire revenir et revivre encore ce que nous avons connu dans le passé. Il est temps pour vous de montrer à nous les Ivoiriens que votre priorité, c'est le bien-être, que votre priorité,
c'est de garder et vous rassurer que les Ivoiriens sont en sécurité. Et vous, votre priorité, pardon, encore, c'est de vous rassurer que la Côte d'Ivoire peut vraiment avancer sans un gouvernement de moribond, sans un dictateur, sans un marmailleur, sans que nous ayons même le sang d'un Ivoirien qui puisse couler. Voilà. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Et vraiment, je vous demande de vraiment, vraiment, vraiment faire beaucoup attention. Et je demande aussi à, comme je l'ai dit, à tous ceux qui sont autour du président Henri Konan-Bédié, de prêter beaucoup attention à notre papa Henri Konan-Bédié, parce que sa vie est en danger en ce moment. Donc, sur ce, merci, 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 merci à tous ceux qui sont, nous sommes à presque toujours 4800 personnes connectées, mais merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Vigilance, vigilance, vigilance en ce moment, surtout au niveau des opposants, vigilance dans tous vos gestes, vigilance dans tous vos déplacements, parce que vous allez remarquer que à partir, vous pouvez faire capture d'écran et noter, hein, à partir de maintenant, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont disparaître. Vous allez entendre qu'il y a telle ou telle personne qui a été empoisonnée. En ce moment, c'est la course à vouloir détruire tous les opposants pour pouvoir se maintenir. Donc, vigilance à tous nos opposants et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, toutes les personnes aujourd'hui qui osent leur voix, toutes les personnes qui veulent emmener un changement dans notre pays, toutes les personnes qui voient que nous sommes vraiment sous un régime dictatorial, un régime qui ne nous avance pas, nous sommes sur un statu quo, un régime qui ne fait que promouvoir la haine dans notre pays. Nous voulons une réconciliation et une vraie réconciliation dans notre pays. Donc, vigilance à tous et vraiment, je vais ressortir comme il se doit si j'ai encore des cassements de papeaux à faire ou si j'ai des nouvelles ou encore si j'ai des sons, comme on le dit dans notre jargon. Voilà, je vais ressortir, vous faire part de ça, mais faites beaucoup, beaucoup attention et on va toujours ce roman. Adhérez-vous toujours au GPS parce que c'est l'unique manière et voie pour nous de pouvoir acquérir tous les changements dont nous avons besoin. Donc, pour récapituler quelque part, mon message était concernant les comzones qui ont été convoquées, voilà, par Alassane Draman Ouattara à venir prêter allégeance avant qu'il se décide officiellement de pouvoir dire aux Ivoiriens qu'il est encore candidat. Sur ce, je vous claque plein de bisous, cocaïne, restons serein et on va se romain. Peace and love.